donc la trace est toujours, elle ne va pas du tout. On la trace est bien pour le coup. 2h30 du matin, les sapeurs-pompiers de Paris ont été appelés sur un violent feu d'appartement dans le 5e arrondissement de Paris. À notre arrivée, on est confronté à un appartement embrasé avec de nombreuses personnes qui se manifestent aux fenêtres. Le bilan provisoire à l'heure actuelle fait état de 3 victimes état grave et de 12 victimes légèrement intoxiquées par les fumées. La voisine hystérique a sonné 15 fois à notre porte, nous a réveillés, on a ouvert. Ça a fait appel d'air et donc les flammes se sont mobilisées. Je vous ai déjà expliqué la chose, mais c'est égal. Et donc du coup, nous, on est descendus en courant. Moi, j'étais tout nu avec la couette, tout simplement. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Il y avait des gens pendus quand même au 4 ou 5e.